Je déteste l'odeur des fromages forts. D'ailleurs, à la maison, il y a vraiment un truc de... c'est niette, quoi. C'est interdit de foutre ça dans le frigo et tout. Moi, ouvrir mon frigo pour me faire agresser physiquement au niveau des naseaux, c'est inadmissible. C'est interdit. Je suis encore chez moi et à un moment où je ne peux pas accepter ça chez moi, je ne peux pas accepter de me faire cambrioler, de me faire carjacker l'auto dans le pif à domicile. Il y a un moment où j'aimerais être respecté dans mon propre domicile. Donc, bon, j'ai malheureusement pas de bol puisque ma femme adore le fromage. Ma fille adore le fromage, évidemment. Il y avait une chance sur deux qu'elle rejoigne la team des dieux, la team de je mange épicé. Et puis, dès que ça a commencé à tout petit peu piquer, oh non, ça pique et tout. Et voilà, voilà, c'est une des rares fois où j'ai été très déçu de ma progéniture. Mais ils m'ont lavé le cerveau. Voilà, mange du fromage, elle adore le fromage, je lui donne du camembert et tout. Non, c'est très triste. Mais c'est comme ça, je suis un V2, je peux pas gagner. On peut faire une super installation. D'accord. Tu veux un café ? Ah oui. Attends, elle est bourrée ou quoi ? Tu veux un café ? C'est, cette scène là, elle est folle ! Comment ça a été gardé au montage ? Tu veux un café ? En 20 ans, du jour où tout a basculé, je n'ai jamais eu ça. Vous avez pris Tiflosion pour une vaginette ? Vous le prenez ? Vous faites votre affaire tant qu'il y a votre affaire, vous prenez du plaisir ? Et dès que vous avez envoyé tout votre plaisir, vous le rejetez comme ça ? Souillé ? Plein de muspé ? Tu veux peut-être aller faire une petite pause, Jerry, avant qu'on commence ou c'est... Non, mais moi, tu sais quoi, déjà, je vous ai mis en retard, même si j'ai pas mangé depuis hier, c'est pas grave, quoi. Ça, c'est... Mais c'est encore elle. Bon, par contre, ils ont fait une... Mais Oda, il a chaud au cul ou quoi, là ? Est-ce que Oda, vous pensez, il dessine les persos que en main ou quoi, là ? J'en peux plus. Des bons petits feuilletés là, saucisse moutarde, bam 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 bam, ça envoie, et oui, mais oui. La fondue, c'est pas qu'en place, c'est aussi un moment. Qu'est-ce qu'il veut lui dans le chat? C'est un moment de quoi? C'est un moment de nous laisser tranquille. C'est un moment, c'est pas un moment de Noël. Oui, il y a trop de bandeurs de fondue. Et on a gardé la raquette, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est super à l'aise, non? Il a pété un bon, le tigre man. De Cibé. Non mais gros, mais il y a des mecs dans le public, c'est leur moment quoi. Cette émission est légendaire pour ça, je suis désolé. On savait rire, il y avait personne pour dire malaisant. Malaise. Petit à petit, bah ça se passait bien. J'ai commencé à être payé en télétravail. À l'époque, je touchais 250 euros par mois. Ok. Alors en gros, quand tu manges au Resto du Cœur, donc 250 euros par mois, t'es en mode. Ça te faisait souffler un peu. C'est faker. C'est moi. Je regardais ma femme, elle me dit waouh, c'est chaud. 250 euros. Du coup, on pouvait acheter du pain au lieu des biscottes. Et ça, c'était complètement zinzin. Votre plus longue période sans câlin, Mélisa, ça a duré combien ? Sans câlin, sans baiser, dis-le. Peut-être une petite semaine. Petite semaine ? Ouais, une petite toute petite. Une toute petite. Gourmandée. Même elle, elle bloque un peu sur le... Bah, qu'est-ce que je dois dire, là ? C'est quoi ? Un peu, ouais. Mais c'était ça, c'était la bonne époque, putain, la gourmande. Oh, j'ai l'impression que vous êtes un peu salope, vous, non, sur les bancs. Ça doit y aller de tous les côtés, hein. Waouh. C'est pas des match-ups faciles pour mon Scarino. Hein. Je vois les gens sont en mode c'est dur, mais Scarino, très très dur Scarino. Peu de gens pour Farm, c'est abusé quand même. Je pensais qu'il y aura plus de gens. Incroyable Scarino, merci. Bravo Gigi. Scarino, c'est n'importe quoi, Gigi. Totalement d'accord avec toi. Vive les DZ, vive l'Algérie. Merci, on les embrasse. Tu peux m'expliquer le principe de la compo Avengers? Bien sûr, alors c'est extrêmement simple. La compo Avengers, c'est tout simplement une compo qui s'entraide les uns les autres. Donc ce sont que des compos qui ont des TP, mon pote. Des personnes qui ont des TP pour aider les gens. Qu'est-ce que tu dois crier à ton avis, Chap? Quand tu as besoin des Avengers? Bah j'ai besoin des Avengers. Fais un effort. Qu'est-ce qu'ils disent? Avengers. Ça me... Qu'est-ce que fait OO face à Scarino en vrai? C'est un one shot, OO il se fait pulvériser. Scarino c'est trop rapide les gars. Scarino, vous préférez quoi? Ok, Scarino. Oh, j'aurais bien aimé, mais dommage, il tombe face à Scarino. Scarino en palcorne, il n'y a plus personne, MDR. Scarino est bien mignon, effectivement. Gigi, encore une fois, tu dis les termes. Merci. Merci les gars. Ok. Et derrière, mais non. Une carte rare. Oh, l'homme au chapeau. C'est très très inspecteur gadget. DSL, mais les... Non, on peut pas... Le rôti de sanglier, mais moi je suis Obélix. Mais les Saint-Jacques, les gars, je trouve ça dégueulasse. Je lance en chronomètre et j'attends de finir le caoutchouc que c'est... Non, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Sur 100 Français, combien pensent que pour devenir riche, il faut avoir des parents riches? Et la réponse est...
40. Oh les big, non, menteur. 2002, on est quoi? On est sous. Oh putain, oui, 2002. Attention, en 2002, il y a clash, hein. Élection présidentielle, il y a bagarre. Hein. Je me souviendrai toute ma vie, ma mère qui est en mode. On va devoir partir. Bon, Ludo, on va retourner à Sidi Balabès. Profite tes valises. On rentre. Mataron, totalement dans l'abus. Très très gaze, ouais, c'est vraiment ignoble. Ces chiens sont super drôles. Mais gros, moi si je veux rigoler, j'allume YouTube, je tape spectacle et je tape une barre. Pas besoin d'avoir un chien qui me fait un spectacle à la maison. Zarma, tous les soirs, il te fait un petit spectacle, le chien. Oh, il est super drôle. Palmarès de ces chiens, il pète. Oh, trop trop marrant. Moi j'adore quand le bruit d'épée, ça me fait trop rire. À chier. Il y a des êtres humains qui aiment les carlins, quoi. Enfin, ça, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais bon, le carlin, honnêtement, le chien est en souffrance, quoi. Le chien a son nez dans son cerveau. Il peut. Il sait pas boire, il sait pas manger, il a rien, il est en fin de vie. Le chien, il est en fin de vie. Viens, on crée le tournoi, on trouve lui un nom. J'adore Blitz, on l'appelle la Blitz Cup, ok? On dit, ok, Amaury, qui bossait, lui, à la toute base, Amaury, lui, il bosse avec Rur, dans les régies adultes et tout. Il va te faire une intro, quoi, un générique et tout, machin, tu vois. Bon, je rentre dans le bureau, donc là, bon, il y a des fiacs partout et tout, super. Et là, j'ai Amaury, il fait, ouais, bah écoute, vas-y, je vais te montrer un petit template. Il fait, bon, alors, moi, j'ai pas d'image de LOL là, donc. Donc voilà, je suis en train de bosser. La Blitz Cup, boum, ça s'ouvre. Et là, frère, je vois un Renoir. Il ne lui laisse aucune chance à la meuf. Je ne sais même pas. J'espère qu'on a des nouvelles de cette jeune femme. Et Amaury, il fait non, mais faut imaginer avec les images. Je dis, bah là, j'imagine, là, je suis. Ouh, ça, je suis dans. Voyage. Vive le lait et crémeux, miam, les tétines. Le détraqué. Non, il a raison pour moi. Ah, ok. J'arrive dans 10 secondes, je suis là au mid. Non, mais putain. J'ai un tôt. Dommage. Ça joue à rien. Hein. Avengers! Zarif, vas-y! Et l'ignite! Et la boum! Et boum! Et le cul, ouais! Avengers! Merde, j'ai pas du boum! C'est une secrète, ça, c'est y a marqué SEC! OMG, mesdames et messieurs, mais c'est Shanks! Mais quoi? Et c'était lequel votre préféré dans Je le dis, j'adore le Bounty. Je fais partie des gens qui défendront quand même le Bounty. Le Mars, par exemple, je trouve ça extrêmement surcoté, le Mars. Là où il est le meilleur, les Mars glacés, banger. Le Mars normal, je pense que c'est un aliment qui peut provoquer des aftes chez les gens tellement il t'agresse. Et après, tu parles comme ça, tu vois. J'ai fumé un paquet de gitane? Non, j'ai mangé deux Mars. J'arrive plus, non, mais j'ai mangé deux Mars. Mais t'as quel âge? Oui, bon, bah, j'ai 14 ans, mais. On a mis une grosse somme d'argent dès le départ, 50 000 euros. Et là, ça commence à bien faire. Ouais, d'accord. Je me suis peut-être un petit peu trompé sur vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez garder Alison pour vous, c'est ça? Ah, vous avez raison, là. Faites-la chanter dans les bals et dans les mariages. Attends, mais tu te prends pour qui, espèce de connard? Ah, ben voilà, merde! Enfin! Ben, c'est bon, mais on en peut plus! Arrête de te faire pisser dessus un peu, là! À l'époque, il n'y avait pas trop Dash, Max, Xari. Eux, ils étaient assignés à Dota 2. Ils étaient assignés au guide de Dota 2. Et ils étaient en mode, ça va péter en France, Dota, ça va être n'importe quoi. Ils ont eu le nez. Honnêtement, c'est juste nimp. Ils ont bien senti. Ils ont bien senti. Mais j'ai rarement vu des gens commit autant de ma vie. Je te promets qu'il n'y avait aucun guide qui pouvait les concurrencer. C'était vraiment, c'était les guides ultimes. Sauf que 17 vues. Dont moi, son daron. Et tu vois ce que je veux dire? Mais non, on dirait un Pokémon, on dirait un Pokémon, c'est pour se moquer d'une calvitie. J'aime pas trop ça, j'aime pas ce principe, quoi. Tu vois, c'est un mec qui a des cheveux que sur le côté, et là, il a rien, on lui a mis une touffe, tu vois. C'est un peu pour stigmatiser les gens qui ont des calvities, j'aime pas ça. Pierre s'est engagé à lui laisser plus de temps pour mener à bien ses projets musicaux. Voilà. Attends, viens. Contrat. Pierre s'est engagé à lui laisser plus de temps pour mener à bien ses... Je viens de lui toucher un peu le cul, là, où j'ai rêvé. Pourquoi cette scène existe? Le mec s'est dit, ah, vas-y, je vais placer une petite balle, hop, Olive. Ok, c'est parti. Avengers! Ok, on l'a bien joué! Putain, vous avez vraiment créé Avengers pour ça? Mais Avengers! Parce que c'est la folie! On est des amis! Elle est conne, elle a rien compris, mais elle a eu 0 sur 20, mais elle est conne, MJ! Elle s'est mis devant! C'est Spider-Man! Qu'est-ce qu'il va lui faire? Quoi? MJ! C'était très bizarre la scène, hein! Et en fait, à chaque étage, t'as un goût différent. Là, tu vois, ça doit être du boursin ou je sais pas quoi. Tu peux avoir un truc avec du pâté, un truc avec du jambon, un truc avec. Il y a plein de choses. C'est un pain, c'est que de la surprise. Tu manges le cul à Sarah Fraisou. Quand tu croques dans du pain surprise, on n'en peut plus, Gigi. Mais Kiko, t'as l'air bien renseigné, chef. Genre, vraiment, t'as le goût du cul à Sarah Fraisou, toi. Mais il est fou, ce mini malade, ce mec, ça va ou quoi? Je fais venir le producteur de Rihanna et on se fait ça aux États-Unis. Quoi? D'après le producteur, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Il y croit, moi aussi. La demande de te produire vient de Rihanna elle-même. Il y a un petit message qui dit le budget du mariage était inférieur au budget Summoner's War. Pour vous donner une fourchette, il est
trois fois inférieur au budget. Et mon mariage m'a coûté 13 000 balles. Regardez Simularbre, ça se voit que c'est un gentil cap humain, ça se voit que c'est un sourire faux, tu sais, va te péter à ton portable ou un truc comme ça. Palmarès, arbre, bah palmarès, singe. Donc tu vas répondre quoi à cette phrase? Je crois qu'on s'est fait avoir. Oh, bah alors là, attends, ça je rappelle le studio. Oui, bonjour, monsieur. Steve Holloway, s'il vous plaît. Le boss du studio. Bah vous plaisantez, il m'a dit qu'il lui appartenait. Attendez, je comprends pas là. Quoi? Oh l'enfoiré. Oh la belle bleue. Oh il m'a bien eu. Les bras m'entombent, je tombe des nues. Oh. Rachid! Allez, on y va! J'ai rien aussi! Non, d'accord, ok. Oh oui! Je suis un monstre! Je suis un putain de monstre sur le jeu! C'est la compo go! Vous avez le souvenir des magnums à l'ancienne? Orange là, il a quoi? La mangue ou fruit de la passion, tout? Pareil, je le suce, mais je suce sans modération, quoi. De. La glace, quoi. N'aie peur! Il est coincé! N'aie pas peur! N'aie saute! Oh, mais qu'est-ce qu'il leur fait en nez là? C'est la folie! Sa tête de fou, les gars! Mais ça, c'est un gros coup de vieux, ça! En plus, le Covid, ça a raboté un peu les budgets! Ah, ouais. Je sais, parce qu'il y a une émission qui a sauté de le stream avec le Covid. Zaccord Olive! Ah, il y a beaucoup de gens qui ont sauté avec. Hey. Mais ton émission, elle a disparu, hein! Zaccord Olive a commencé la même année que le stream, j'ai survécu après! Bizarre! Est-ce qu'il est à l'origine du Covid? Je ne sais pas! Mais en tout cas, je dis qu'on n'a jamais vu Zach Nani en Chine! Aujourd'hui, voilà! Je suis team pomme duchesse, voilà. Les pommes dauphines, elles refusent la sauce, la pomme dauphine. Il y a une manifestation à l'entrée de la pomme dauphine. Non, nous pas trop, on se mélange pas, y a pas de. Même avec la sauce, elle te réclame de l'argent quand tu la manges, la pomme dauphine. C'est ça le problème! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas qu'une voix. Ouah, non, elle aussi, c'est trop bizarre la manière dont elle joue le truc. Là, elle est en train de nous regarder ou quoi? J'ai l'impression qu'elle nous regarde droit dans les yeux. Elle est en train de. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh la salope! Arrête! L'abus émotionnel, non! Non, je veux pas voir, je veux pas voir ses yeux. Les Avengers! Énorme! En job, il faut que tu règles ton énorme. Discours. Dès que tu cries, on t'entend plus. C'est vrai? Oh non! C'est improbable ce qui vient de se passer, gros! Tu sais, quand je pense bouffe de Noël, je pense pas Vérine. Alors que les sablés de Noël, il faut boire un litre d'eau après le sablé. Oh là. Mais lire ça dans ce chat, mais il faut assainir ce chat. C'était un chat, vous êtes raciste. Tu vas juste au rendez-vous et après tu dis que la proposition t'intéresse pas. Et moi, j'aurais au moins présenté quelqu'un. Après, tu me demanderas tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que je veux? Vraiment. League of Legends, ça c'est le début de ma carrière. Je peux pas le mettre dans mon jeu all-time, c'est pas possible pour moi. C'est un jeu multi, y'a trop de gens toxiques sur League of Legends pour que je le mette dans le jeu all-time. Moi j'ai déjà été extrêmement toxique. Hein. Mais moi aussi, et tu sais que je suis tellement détaché de League of Legends parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, on est parti en Corée avec Solary. Je joue sur le serveur coréen, je suis en mode je vais me régaler et tout ça, et je dis, on va être énervé et tout. Game 1, je tombe sur un ADC qui est AFK, je lui insulte sa mère. Mais je suis en live, je suis la fils de pute et tout machin. Et là je me regarde, tu sais, je me revois en train de dire, on peut pas craquer sur le jeu. Je me dépêche, tout sur notre camp. Oh oui, super shield, Taxari. Ok, on a. Vas-y, tu l'as. Je te shield dans 3, 2, non. Il fallait me shield moi. Qu'est-ce que tu fous? Non, je peux pas. J'arrive. Pas, c'est mais t'es un vrai troller, Gigi. Vers moi, j'ai rien. Vers moi. Tu l'as. Viens. Putain, mais Gigi, c'est un boss, c'est pas possible. La palette de dessert que personne ne touche. Mais attends, mais vous consommez pas, vous, de café, de vous trempez pas? Qui trempe son biscuit ici? Moi, j'adore tremper. Enfin, je suis un mec qui trempe énormément, quoi. J'arrive pas à comprendre comment sont mis les pieds. Je suis désolé, je suis vraiment. C'est à qui là? C'est un pied ici? Celui-là, pourquoi tous les doigts sont écartés ici? Elle a marché pieds nus avant? Il y a trop de hype, les amis! Moi, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment au prime du bonheur. Je suis content de tout ce que j'arrive à faire. Je suis heureux pour 2024. J'espère continuer comme ça et développer encore des projets qui me tiennent à cœur et toujours continuer de faire rire les gens. Voilà, tu vas faire rire les gens, de les régaler, que les gens qui viennent dans les émissions se régalent aussi et passent un bon moment. Un bon moment comme on vient de passer depuis 1h40. Franchement? Ah ouais? J'ai cru que c'était le début d'interview.